sorcellerie s'appuie est lequel? C'est le principe de la haine, de l'aigreur et de la jalousie. Quand tu comprends ça, tu ne laisses pas la haine rentrer dans ton cœur. Parce que c'est un point de contact entre l'humanité et la sorcellerie. La haine. Parce que ce qui nous lie à Dieu, c'est l'amour. Alors ce qui peut nous lier au diable, c'est la haine. Arrête de dire pourquoi est-ce qu'ils sont méchants. C'est comme si tu demandes pourquoi est-ce que Dieu te demande d'être amour. Dieu ne te demande pas d'être amour parce qu'on t'aime. Il te demande d'être amour parce que c'est ton devoir d'aimer. Et ils sont méchants parce que c'est leur devoir d'être méchant. Faut comprendre ça comme ça. Et puis arrête de te poser des questions qui n'ont pas de réponse. Ils ne vont jamais t'aimer. Le sorcier, donne-lui habit parce qu'il n'a pas habit. Il va se fâcher parce que tu penses qu'il est misérable. Ne lui donne pas. Il va se fâcher parce que tu es méchant. Rends-lui service. Il va se fâcher parce que tu penses que quoi? Ne lui rends pas service. Il va se fâcher parce que tu fais pour tout le monde sauf pour lui. En réalité, il cherche quelque chose pour justifier sa méchanceté. Dans le fond, il n'y a rien d'autre que la haine. Donc nous fonctionnons dans le royaume de Dieu avec l'amour. Et ils fonctionnent dans le royaume du diable avec la haine. Ils ne vont jamais t'aimer. Tu n'as pas besoin de leur faire grande chose. Ton bonheur les supporte. Ça veut dire qu'il ne prend pas plaisir à te voir heureux. Il y a des gens qui ne sont pas encore devenus sorciers, mais qui ont déjà ce caractère. En réalité, c'est des stagiaires. Parce qu'un stagiaire, on n'a pas encore embauché. Mais ils commencent à travailler déjà. Eux, c'est les capitaines haine. Eux, ils aiment personne. Quelqu'un réussit, elle est prostituée. Quelqu'un réussit, il vend drogue. Quelqu'un réussit, ça, c'est médicament. Ils ont toujours un commentaire négatif sur la vie des autres. Ils ne savent pas apprécier. Un sorcier ne sait pas apprécier le bien. Il ne sait que déceler le mal. Si toi, tu ne vois que le mal dans tout ce qui se passe autour de toi, peut-être qu'il est possible, sorcier mentalement parlant, que tu sois en stage. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à critiquer, à péter. En réalité, je vous dis, le commérage, c'est un symptôme majeur de la sorcellerie. Parce que c'est le point numéro un qui permet de diviser. Un enfant de Dieu n'est pas dans péter. Un enfant de Dieu, il règle le problème. Ça veut dire quoi? Quelqu'un vient chez toi, quand tu n'as pas un esprit de sorcellerie qui te guette, ou bien ta grand-mère t'a pas encore fait un bisou sorcier, tellement parlant. Quand quelqu'un vient chez toi pour critiquer le frère, tu lui dis, assieds-toi, ne bouge pas. Allô? Tu peux venir, s'il te plaît? Non, il y a quelqu'un ici qui veut m'expliquer quelque chose que tu as fait, parce que là, je ne suis pas content de toi. Et tu vas voir que le Seigneur commence à dire, mais je t'ai dit là, et c'était dit de lui dire. Parce que Satan prospère dans les secrets. Jésus dit, ce qu'on vous dira dans le noir, criez-le sur le toit. C'est dans les secrets. Et les sorciers sont spécialistes en diviser, en monter les uns contre les autres. Dans vos familles, vous ne vous entendez pas, vous ne savez pas pourquoi. Quand vous vous asseyez, mais vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'en réalité, le problème est vide. Mais parce que le problème est vide, là, c'est comme ça, il est sérieux. On essaie de vous réconcilier, on ne peut pas. Vous-même, vous luttez, vous réconciliez. Deux semaines après, palabre vient. Comprenez que parmi ceux qui essaient de vous réconcilier, il y a un sorcier d'État. C'est-à-dire que pendant que le feu veut s'éteindre, lui souffle en bas. Il est comme souris musaraigne. C'est-à-dire qu'il bouffe et puis il souffle dessus. Et quand vous êtes tenu par le secret, personne ne révèle son informateur. Sinon, si vous sortez l'informateur, vous allez réaliser que les deux camps ont le même informateur. Et c'est là que Satan passe pour manipuler les vies. Donc, les principes avec lesquels les enfants de Dieu fonctionnent, c'est le principe de l'amour, la tolérance. Or, le sorcier, il fonctionne avec la haine et la rancune. Il n'oublie pas. Et puis, il rend. Il n'y a pas plus rancunier que sorcier. Vous qui pensez que vous allez prier deux jours seulement contre ta sorcellerie, j'arrive. Sorcier te suit pendant 30 ans et puis il laisse pas. Je parle à quelqu'un, mais je bavarde. Tu parles bien, papa. Je parle à quelqu'un, mais je bavarde. Tu parles bien, papa.